Salut à tous! Allez, aujourd'hui on va aborder le personnage le plus badass de tous les univers confondus. Le personnage le plus classe, celui que tout le monde envie, quel que soit l'univers dont vous êtes issu, le Seigneur des Anneaux ou je ne sais quoi, les Marvel ou quoi que ce soit. Et puis en même temps, c'est le personnage qui a la mort la plus conne qui soit, je crois. Donc voilà, c'est ça, c'est la vie, ça contrebalance. On va parler de Boba Fett. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour la macro! Bon, Boba Fett, qu'est-ce qu'on en dit? C'est juste la plus belle figurine de Star Wars Légion, ça me paraît clair. C'est peut-être même une des plus belles figurines actuellement sur le marché au niveau du hobby. Alors bien sûr, chez Games Workshop, on fait mieux au niveau des détails. Mais là, c'est Boba Fett. Donc on a un personnage qui est très très charismatique. Et franchement, il est badass, quoi. Il est vraiment badass. On a tout dans cette figurine. On a de la finesse, on a du dynamisme dans la pose. Et puis c'est Boba Fett. Le flingue est fin, les proportions sont super bien respectées. Cette main en arrière, là, ça donne un dynamisme incroyable, mais alors les proportions sont super bien respectées. C'est très difficile de faire Boba Fett en général, soit le jetpack est trop gros, soit le casque est pas à la bonne taille, soit le viseur est trop proéminent. Là, le viseur est peut-être un tout petit peu gros, hein, vous savez, là, l'antenne qui est sur le dessus, mais non, non, indépendamment de ça, pour une figurine à cette échelle-là, c'est superbe. On a même les petites pointes sur le bas des bottes. Enfin voilà, je pense qu'on a atteint un niveau vraiment sympa pour le jeu qu'on n'imaginait pas au début. Ça a été une grosse critique au début dans Star Wars Légion au niveau des figurines. Là, je pense que ça fait taire toutes les critiques. Il y a des gens qui réussissent à faire des choses extraordinaires avec de la peinture. Moi là, je vous le présente sans les flammes dans le jetpack pour vous montrer que c'est possible. J'ai des abonnés qui ont mis de la fumée jusqu'au sol et du coup qui ont pu se libérer de cette tige en verre que je trouve pas déconnante. Moi, elle me gêne pas. Je trouve qu'on la voit pas plus que ça, mais c'était une très bonne idée en tout cas pour ces abonnés de faire ça. Voilà, il y a plusieurs façons de l'exploiter. Faites preuve d'imagination. Bon, plastique mou, toujours un petit peu de choses à débarder, mais une fois que c'est sous-couché, il n'y paraît plus. Hein. Donc voilà, Boba Fett, 100% du bon point. Et on veut que dorénavant toutes les figurines aient ce niveau de qualité-là, c'est clair. Ouais, bon, là, hein, on passe quand même un petit level. Je sais pas qui a sculpté ce Boba Fett, mais on est, voilà, on peut être que content. Là, on commence à atteindre quand même un dynamisme de pose et puis une délicatesse qui était jamais vue et inattendue. Et là, j'ai déjà dit, hein, mais je le redis, il est vraiment classe. Allez, on regarde la carte. Allez, c'est parti pour la carte de ce Boba Fett. Donc, un Boba Fett qui coûte 140 points, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein, au niveau des commandants. C'est même moins cher qu'une petite princesse Léa. Donc, c'est bien, c'est pas mal. Bon, il va se défendre à 5, hein, en points de vie. Il va avoir 3 points de suppression. De courage, vous les appelez comme vous voulez. Il a toujours ce satané dé rouge, hein. Lui, il y a droit. Il a une armure, donc il a un dé rouge. Il meurt comme un con, mais il a quand même un dé rouge. C'est cool. Il transforme, comme tout commandant, hein, comme tout personnage clé, il transforme à la fois l'adrénaline en défense et en attaque. Donc ça, c'est convenu. Par contre, attention, il se déplace à 3. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Il se déplace aussi vite qu'une moto jet. Donc bon, c'est vrai qu'il a des jetpacks sur le dos, mais ouais, il se déplace quand même super vite. Donc ça peut être très intéressant. Personnage comme ça là qui va comme les motojets se déplacer à toute vitesse un peu partout sur le plateau, un peu polyvalent au niveau des actions, prise d'objectif, élimination d'objectifs ou de personnages clés. Vraiment super sympa ce Boba Fett. Au niveau des armes, bon le crampon de bottes, deux dés rouges, attention au coup de pied dans les couilles, hein, c'est plutôt badass. La roquette de poignet, alors distance 1-2. 2 dés noirs, voilà, moyenne portée, impact 1, donc intéressant, hein, impact 1, vous transformez une touche en critique. Carabine E3 de fait, donc la fameuse carabine, elle tire à 1-3, donc ça c'est un petit peu plus loin, elle tire 2 dés noirs, sympathique, mais sans plus, perforant 1,
Bon, quand même, hein, à noter, vous allez éliminer un résultat blocage de votre adversaire. Saut 2 comme Luke Skywalker, bon, il a un jetpack, hein, il peut monter et partir haut, ça c'est sympa, c'est cohérent avec, avec ce qu'on voit dans le film. Arsenal 2, très 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 intéressant, Arsenal 2, il peut attaquer deux fois. Oh, là, ça commence à devenir un peu tendu, on commence à avoir la petite goutte quand on est en face. Cette nouvelle notion de prime, alors ça c'est sympa, ça scénarise un petit peu le personnage, je trouve ça plutôt intéressant. Je vous rappelle en fait, la prime c'est le fait au début hein, du déploiement, vous allez désigner un commandant d'en face comme étant votre prime, et puis ben, si vous arrivez en fait à le tuer, ben, vous gagnez un pion de victoire qui compte dans le résultat des pions de victoire global en fin de partie si Boba Fett est toujours vivant puisqu'il faut qu'il puisse réclamer sa prime. C'est sympa, ça ajoute un petit peu d'exotisme dans la partie, je trouve c'est cool. Insensible, alors ça, c'est nouveau. Enfin, moi, j'avais jamais vu. Tant que vous défendez, si la réserve d'attaque, donc si celui qui vous attaque a perforant X fois, et ben vous lancez X plus D de défense. Hein, vous lancez plus de dés, autant de dés de défense qu'il y a de perforant. C'est quoi l'idée? Ben, perforant, normalement, ça vous annule une défense. Ça vous annule pas un. Pion, ça vous annule pas un dé, mais ça vous annule un résultat de défense. Et ben là, pour contrebalancer ça, il va lancer plus de dés de défense qu'il y a de perforant. Alors, il n'est pas sûr de totalement annuler totalement le perforant, mais au moins il s'offre autant de chances de le faire que vous avez vous de perforant. C'est intéressant. Tireur d'élite 2, ah, pas de couvert. Hein. Donc, comme Leia, tireur d'élite 2, je vous rappelle que la valeur 2, c'est le nombre de couverts que vous annulez. Et que dans Star Wars Légion, bah, le maximum de couverts, c'est 2. Donc autant dire que pour Boba Fett, il n'y a pas de couvert. C'est dommage, il aurait été utile pour flinguer les motojets. Mais bon, il n'est pas du bon côté. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc impact 1, je reviens pas dessus. Hein, vous transformez une touche en critique. Et puis perforant 1, je l'ai déjà dit. Hein, tant que vous attaquez, annulez jusqu'à un résultat bouclier. Voilà. On va regarder les petites améliorations qui sont avec avant de regarder les cartes d'ordre. Vous avez l'amélioration. Allez, on commence par le chasseur. Le chasseur avec Bosque. Hein, j'attends Bosque sur Star Wars Légion. C'est un de mes personnages préférés. Je le trouve vraiment super sympa. Tant que vous attaquez une unité soldat blessée lors de l'étape lancer les dés d'attaque, vous pouvez gagner un pion de visée. Pratique. Parce que ben, normalement, sensiblement, après le. Milieu deuxième tour, tout le monde est blessé. Donc c'est fun, je pense, vraiment fun. Évitement et couvert, donc celle-là, je l'ai relue, elle est très intéressante en fait, parce que c'est tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'étape appliquer les esquives et couverts, vous pouvez gagner un pion de suppression. C'est au moment où on applique en fait les esquives et les couverts. Si vous avez déjà joué Boba Fett, il n'a pas subi le contrebalancement en fait d'un pion de suppression, c'est-à-dire le fait qu'il a une action en moins. Il va jouer normalement, et puis si vous lui tirez dessus, bah, à ce moment-là, pour se défendre, il peut se donner un pion de suppression et donc bah, gagner en fait gagner de la défense. C'est intéressant parce que c'est quand même un personnage qui, au niveau de la suppression, a 3, donc il n'y tombera pas si rapidement que ça. Et puis bah là, vous l'avez au beau moment et vous n'avez que les bienfaits du pion de suppression plutôt que d'avoir la partie chiante. Et puis bah, le stimulant d'urgence. Quand cette carte est sortie, je croyais pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est la petite carte qui, au dernier tour, fait que votre personnage survit. Et ça, c'est important de faire survivre Boba Fett au dernier tour puisque je vous rappelle que il doit pouvoir réclamer sa prime. Donc, le faire survivre un tour de plus, ça peut vraiment changer la donne. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler du pion d'immobilisation. C'est un nouveau pion qui apparaît en fait dans le jeu et spécialement pour lui, la possibilité avec son lasso de vous entourer, d'accord? À vitesse maximale, la vitesse maximale d'une unité est réduite pour chaque pion en fait qu'elle va avoir. Donc à chaque fois que vous appliquez un pion d'immobilisation, vous réduisez de 1. Lorsqu'une unité s'active, si elle possède au moins un pion d'immobilisation et que sa vitesse maximale, du coup, eh ben, est de 0, elle ne peut pas effectuer de déplacement pendant son activation. À la fin de l'activation de l'unité, elle défausse tous les pions d'immobilisation. Donc on n'est jamais immobilisé bien longtemps, mais il a quand même cette capacité hein, de vous endiguer, de vous bloquer. Ça, c'est intéressant.
Insensible, on l'a vu. Par contre, la notion de agent est très importante puisqu'on va maintenant parler des cartes de commandement. L'icône avec la double petite flèche, en fait, indique que l'unité a le rang de agent. Et lorsque vous créez une armée de base, vous pouvez y inclure jusqu'à 2 agents. Donc faites attention parce qu'il y a des agents qui vont sortir dans pas longtemps dans Star Wars Légion. Et vous, si vous jouez déjà Boba Fett, bah, vous ne pourrez plus en inclure qu'un seul. Chaque agent dispose de 3 cartes de commandement et ne peuvent être utilisées que si cet agent est inclus dans l'armée. Donc les cartes, c'est logique, elles ne peuvent être présentes dans votre main que si le personnage est présent sur la table. C'est cohérent, je pense que personne n'a imaginé utiliser les cartes de Boba Fett si Boba Fett n'est pas sur la table, en tout cas je l'espère. Par contre, ça c'est très intéressant, quand vous jouez une carte de commandement qui n'est pas spécifique à un agent, vous ne pouvez pas nommer un agent. Voilà, donc moi, la façon dont je le comprends, mais vous pouvez me corriger dans les commentaires, c'est que si vous voulez donner un ordre à Boba Fett, vous ne pouvez le faire que par l'intermédiaire des cartes d'ordre de Boba Fett, et vous ne pouvez pas utiliser les autres cartes. C'est quand même normal, je trouve, ça peut être agent, mais je trouve que c'est un rééquilibrage qui est cohérent. Surtout que nous, à ce jour, on n'a pas de Boba Fett côté rebelle. Alors je dis nous, mais je joue impérial. Mais bon, voilà, je m'ai compris. Ceux qui jouent rebelle, bah, ils n'ont pas un personnage comme ça, badass, rien que pour eux. C'est vache. En même temps, je crois que j'avais déjà gueulé sur le fait qu'il fallait pas sortir de figurine miroir. Donc c'est pas parce qu'ils ont sorti Boba Fett qu'on veut avoir quelque chose. Mais je disais qu'il fallait pas le faire dans la même vague. Donc ce serait quand même fun que vous nous sortiez quelque chose de bien spécifique, rien que pour les rebelles. Et je continue à parler de moi comme si je jouais rebelle alors que je joue empire. Mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Allez, on regarde les cartes de commandement. Lanceur de cordes. Non. Boba Fett peut effectuer un déplacement tant qu'il est engagé avec une unité dotée d'au moins un pion immobilisation. Pendant son activation, Boba Fett gagne. Choisissez une unité soldat ennemi à portée 1 et en ligne de vue, elle gagne 2 pions d'immobilisation et 2 pions de suppression. Waouh ! Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait vraiment beaucoup. Balancer 2 pions de suppression comme ça, direct, et 2 pions d'immobilisation, vous pouvez quasiment plus déplacer votre troupe, et elle est déjà presque au bord de la déroute. Donc cette carte qui ne vaut que 1, elle va être jouée souvent, je pense. Bon, lance-flamme ZX. Le petit lance-flamme, hein, qu'on voit très très bien dans l'épisode 2 avec Jango Fett. Pendant son activation, Boba Fett gagne l'arme suivante, donc c'est le lance-flamme. Alors, distance 1, donc c'est quand même à portée courte. Un des rouges, ça reste quand même assez... Par contre, déflagration et souffle. Ça, je pense que c'est plutôt sympa. Vous commencez à arriver dans la bataille telle qu'elle est, avec des barricades, avec des mecs planqués, puis c'est le bordel un peu partout, parce que ça se finit toujours en une espèce de grande bataille rangée. Bah, le lance-flamme, c'est un petit dé rouge qui va bien, hein, parce que je pense que ça peut quand même faire du mal à 2-3 troupes. Bon, et puis sinon, ben, la roquette dorsale Z6, alors elle va jouer totalement différemment, hein, puisque en fait, c'est plus quelque chose qu'il faudra jouer en début de partie ou en première demi-partie, hein, première phase de jeu, puisque pendant son activation, il va gagner donc ce fameux lance-roquette qui va lancer 3 dés rouges. Le mec allait dire 4. 3 dés rouges. Donc ça, c'est sympa. Et surtout, à distance 3-4. Donc il faut quand même que l'objectif soit assez loin. Ça peut être quelque chose qui détruit un vaisseau, un TLTT, peut-être un canon. Mais à mon avis, si vous êtes à portée du canon, il vous tire dessus aussi. Mais si vous êtes le premier à tirer, ça peut aider. Et il a déflagration et surtout, il a impact 2. Donc, il va transformer 2 touches en critique. Donc, c'est clairement quelque chose qui est destiné à flinguer du gros lourd en face. Portée 3-4. C'est sympa hein, parce que ça ressemble presque à un bombardement, à l'utilisation de l'arme spéciale de Virs ou bombardement de Léa. Bon, qui eux sont à distance infinie. Mais 3-4, ça tire loin et ça tire fort. C'est plutôt sympa. Bon allez, qu'est-ce qu'on dit de Boba Fett? C'est Boba Fett, quoi. Donc forcément, il est merveilleux. Il meurt comme un con, mais il est merveilleux. Et puis, quand on joue Empire, on est content de l'avoir. Et puis quand on joue Rebelle, on doit quand même se demander, mais pourquoi nous, on n'a pas quelque chose d'en face? Alors j'ai déjà expliqué que j'étais pas pour la réciprocité, mais je suis pas pour la réciprocité. J'essaie de le dire 10 fois rapidement.
Dans la même vague, voilà, maintenant Boba Fett, il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Je pense qu'il serait temps de sortir une petite exception côté rebelle. Qui pourrait ne pas être du tout la même chose que Boba Fett d'ailleurs. Ça, ce serait bien emmené. C'est ça en fait que j'aime pas. La réciprocité où on essaie de sortir exactement la même chose qu'en face. Et là, en l'occurrence, ils peuvent pas parce qu'il n'y a rien qui correspond à Boba Fett en face au niveau rebelle. La figurine est superbe. Je trouve que les cartes d'ordre, bon, restent très, 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 très spécifiques à Boba Fett, mais c'est normal avec cette règle qui dit que de toute façon, bah, les cartes, elles ne sont que pour lui. Et puis, bah, lui, vous ne pouvez l'activer qu'avec ces cartes-là. Donc, c'est logique qu'elles ne lui soient excessivement concentrées sur sa personne. Par contre, voilà, la carte qui balance deux suppressions, je trouve ça vraiment, vraiment très, très fort. Les deux autres ne sont que des armes supplémentaires. Intéressantes, une à courte portée, une à longue portée, mais voilà, c'est sympa. Comment on joue ce Boba Fett? Bah, beaucoup en scénario, je trouve, hein, essayer de scénariser un peu plus vos parties plutôt que de faire des poutrages classiques. Même au-delà, hein, des scénarios qui vous sont proposés, essayer de scénariser un petit peu plus, faire des enlèvements, faire des fuites de personnages, des extractions, des choses comme ça. Voilà, je pense que Légion doit se jouer en scénario, tous les jeux doivent se jouer en scénario, X-Wing, c'est beaucoup plus plaisant avec un scénario, puis Armada, on n'en parle même pas, c'est le jeu à scénario par excellence, si on enlève Assaut sur l'Empire, qui de toute façon est un jeu de rôle. Quoi qu'il en soit, voilà, je trouve qu'il faut jouer ce personnage dans le scénario. À défaut de cela, ce que vous pouvez faire, c'est le jouer en picking. C'est-à-dire que ce personnage-là, ben, il va virevolter en fait d'une zone de combat à l'autre. Il va venir apporter de l'appui, un appui extrêmement conséquent, extrêmement véloce. Et Boba Fett, c'est vraiment quelque chose qui risque de faire mal. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, hein, sur ce personnage emblématique de l'univers Star Wars. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour enflammer les rebelles. Allez, à très bientôt. Bye bye.